Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur The Evil Within 2. Nous en sommes à l'épisode 24. Comme d'habitude, éteignez les lumières, fermez les volets, prenez un casque ou des écouteurs, prévoyez une petite collation, pourquoi pas un petit café ou un thé si vous n'aimez pas le café. Quoi qu'il arrive, c'est bon pour la santé. Nous étions dans une église, voilà, on venait d'arriver et de traverser les ruines. On a malheureusement perdu Hoffman, notre seul ami dans le jeu, mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave, si c'est triste pour elle, mais l'important c'est d'arriver au but, et là nous y sommes, il reste plus que Théodore, et notre femme, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que finalement on va peut-être pas affronter notre femme, Mira, à moins que Théodore utilise Mira comme bouclier entre guillemets, on va devoir l'arracher, lui mettre ce qu'elle mérite, il y a de grandes chances. On va ramasser un petit peu tout ce qui traîne dans le ghetto, 50 pièces c'est énorme. C'est énorme 50 pièces les gars. Avec 50 pièces on peut aller très très loin. On va traverser cette église. Ça me paraît grand cet espace hein. Je me demande si ça va pas partir en couille à tout moment. Oh la vache. Ok les gars, j'ai 50 poudres à canon. Plutôt impressionnant. On va pouvoir s'en craft des munitions et ça c'est cool. On a pas mal de petites choses sympas. Ok, des heals, pourquoi pas, je prends volontiers. Et on va pouvoir lire ce recueil amené par Père Théodore. Écriture de Théodore 1. Cette ville, Union, a un potentiel incroyable. Et Mobius le gâche. Ils ne comprennent pas l'ampleur de ce qu'ils ont créé. Imaginez, tout un monde de convertis, leurs souvenirs réécrits et programmés, tous connectés à un esprit central, le noyau. Mes ordres, voyageant à la vitesse de la pensée et acceptés sans réfléchir. Je pourrais bâtir mon utopie spirituelle en quelques jours au lieu de plusieurs décennies. Totalement dingos, hein, vous l'aurez compris. Le père Théodore, il part totalement en couille. J'arrive! Ah putain! Attention, il n'y a pas une machine à café, les gars, depuis qu'on est arrivé. Et ça, ça me fait bien mal. Ça me fait bien mal parce que niveau santé, ça craint un petit peu. Vous êtes revenu, Sébastien Castellanos. Ouais, mais cette fois la donne a changé. Vous ne m'échapperez pas. Ok, il y a un ascenseur. Il y a une porte par ici. Je suppose qu'ils ont fait ça comme un temple, un petit temple. Va falloir naviguer comme un colis. Ok, bougez pas. D'accord, donnez carte indisponible. Par contre, il y a un miroir. Il n'y a pas une petite statue. Va falloir que je prenne cet ascenseur. Ascenseur qui mène tout droit aux enfers. Va falloir que soit je prenne l'ascenseur, soit je franchisse les étages un par un. Et là, ça arrive. Ok, on a quoi par ici? J'aime bien cette petite ambiance. Oh, les églises, c'est un peu le plaisir hein, dans un jeu. Quoique ça me rappelle Outlast, et c'était un peu terrible. Ok. Bon, ils vont se réveiller, c'est pas possible. Non? Vous allez vraiment pas vous réveiller, les gars? Ok, de l'herbe à foison. Aïe, 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 aïe. Ok, de l'herbe. Un miroir, ça c'est bon, ça. Ça c'est très très bon, on va pouvoir améliorer, se crafter énormément de munitions. C'est un boss hein, qu'il va y avoir. Bah c'est Théodore mais... Oh la vache. Yes. Pochette améliorée pour le fusil d'assaut. On n'aura jamais assez de balles les gars. Vous êtes totalement totalement timbrés. Allez c'est parti. On va se faire quelques munitions les gars. Et puis on va aussi améliorer 2-3 petits trucs. Moi je mets tout dans les damage hein. Je m'en bats les couilles du temps de rechargement. Allez on va se refaire 5 balles de carabine. Histoire que si on la recharge on n'a pas l'air con. Avec juste 5 balles dans le chargeur. Et maintenant, on a pu assez... Oh là là, dégâts coup critique. Ça passe de 30% à 60%, c'est énorme. C'est totalement énorme. Ok. On peut pas améliorer nos armes plus que ça. On va save parce que je sais pas du tout ce qui nous attend. Il nous reste une porte à franchir. Et je pense qu'il va falloir nettoyer les étages un par un. Ça risque d'être bien évidemment terrible tout ce qui va se passer par ici. Allez, on continue. C'est par ici la sortie, les poteaux. Ok, nous y voici. Boum, on se retourne. Rapidement, à la manière des Resident Evil. Et c'est pile poil en face. Putain, je trouve que la jauge d'endurance descend vite quand même. En fait, si tu l'épuises trop, elle met beaucoup trop de temps à se recharger parce que le début est beaucoup plus long. Donc faut vraiment que je fasse attention que je l'épuise à un tiers, pas plus. Ok, c'était ma vie que je vous racontais là. J'espère que ça vous a plu. On va ramasser ça. Pourquoi? Parce que c'est cool. 8 poudres à canon. Allez, premier étage de l'église, je sais pas. Oh putain. Vous n'y arriverez jamais. Comme la dernière fois que vous avez voulu la sauver. Vous rêvez. Vous ne m'aurez pas. Ok, attendez, bougez pas.
Toujours reload tout ça. Là, il va nous dire encore quelque chose, non? Non, c'est bon. Ah! On passe direct au deuxième étage? Ah, mais on va direct au sommet. Il va essayer de m'en dissuader. Jusqu'au sommet, non? Ok, on est déjà tout en haut. Je peux toujours pas regarder la carte. C'est parti! L'antre des enfers! Où es-tu? Théodore! Oh la vache. Peut-être pas encore l'antre des enfers, mais en tout cas... Le début de l'enfer, ça c'est sûr. Ah! Votre résolution est vaine. Vous finirez par ramper à mes pieds. Mes fidèles vous détruiront. Mais oui, c'est clair! J'ai peut-être fait une grave erreur. J'ai sûrement fait une grave erreur. Mais tout ce qui est... Oh bah oui. Ok. Allez, c'est chiant. Je vais t'arracher tout ça très rapidement. C'est parti, Call of Duty time. Ça dégage. Là, je suis désolé, tu me racontes ta vie. J'ai dit que ça dégageait. Donc quand ça dégage, ça dégage. Pas le temps pour ces conneries, mon pote. Waouh. J'ai tout loupé! Hop, on récupère ça très rapidement. D'autres questions? Je suis prêt à répondre à toutes questions, les gars. Ok, ça c'est fait. On va essayer de garder les munitions, hein, ça serait pas mal. Hein. On a un chariot par ici. Je sais pas où sont les derniers. Ah bah il est là. Oui bah oui. Ok, bougez pas. Il a fait une grave erreur. Il a fait une terrible erreur. Faut qu'il me lâche hein. C'est chiant. On va essayer d'économiser vraiment les balles de pistolet parce que là c'est n'importe quoi. Ça part en couille. Allez, faut partir monsieur. Soyez gentil. Il faut être raisonnable. Oh c'est la merde. C'est bon! Allez! On a économisé quelques balles! C'est incroyable! On ramasse. Ok, on a une petite porte par ici. Oh. Oh, Sugoi. Oh. Oh, Sugoi. On va peut-être se soigner, hein, dans pas longtemps. Ok, tu vas passer par où, toi? D'accord. Yevoi. On va devoir attendre qu'il repasse par ici, je suppose. On va attendre qu'il repasse par ici et qu'il reparte pour pouvoir l'avoir par derrière. Je sais même pas si c'est par ici qu'il faut passer, mais je suppose. On n'a pas fini de fouiller la salle de derrière. Ah, plus tard. Ah, mais là, il va se mettre en feu, c'est chiant, putain. Il va se mettre en feu. C'est bon. J'ai réussi à le choper juste avant. Hop, un coup de couteau dans les côtes. Un coup de couteau dans la tête, on n'en parle plus. Ok. Bah écoutez les gars, s'il y a des soins, je suppose, c'est pour se soigner bien évidemment. Donc on est parti. Ça, on va le pousser. Oh j'espère que c'est pas comme dans un des mécanismes insupportables avec un timer. Pas du tout, pas du tout, c'est juste ça actionné. Bah oui, mais oui, c'est clair. Ok. Ah. Putain de merde. On sait jamais hein.
peut me voir d'ici, vous croyez? Wow, wow, wow. Ok. Au moins, on est sûr qu'en deux balles, ça fait le boulot. C'est pas grave, j'ai utilisé la bonbonne. Ok, la visée automatique, je viens de me rendre compte du bordel que c'est. Ça l'a mis directement sur la tête. Mais je l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. J'ai pris mon courage à deux... Ok, j'ai des carreaux à... C'est pas mal ça, non? En temps normal. C'est pas mal du tout, ça. Normalement, on va pouvoir harponner un maximum. Je suis où dans ces conneries, là? Qui suis-je? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais c'est quoi ces... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais c'est tellement nul! J'y me suis gouré dans tous les... Waouh! Je rigolais! Mais c'est tellement nul, Car Wars Prenez mes couilles! Allez, ça dégage. Hop. Ok. C'était tellement nul ce qui s'est passé, c'était ridicule! Oui, bon. Bon, allez, c'est chiant. C'est très très chiant. Allez, meurs! Oh! C'est bon, hein? Faut arrêter les conneries! Bon, c'est bon, les gars, c'est pas grave. S'il y a un miroir, il nous requinquera. Y a pas de souci. Tiens, on va fouiller là-haut. Y a forcément quelque chose d'intéressant. Bien sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant. 8 balles de pistolet, je prends volontiers. On va aller là-haut. Y a rien. Ah, on peut déjà se barrer. Très bien. Bon, bah, on considère qu'on a tout fouillé. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu utiliser cette bombe. J'ai fait les mauvais moves. Je vous avoue que dans cette salle, c'était n'importe quoi. C'est parti en couille, contre ma volonté, bien évidemment. C'était nul. Je vous ai proposé un gameplay nul, hein, on va pas se mentir. Ok, c'est bon, on peut monter là-haut. Gros, c'est bon, c'est la fin de l'enfer là-haut ou pas? Ok, ça a l'air d'être la fin de l'enfer. Aidez-moi à tirer Milly des griffes de Mira. Donnez-moi la puissance du noyau. Pourquoi est-ce que tout le monde veut contrôler Union? Cette ville n'est même pas réelle. Union dépasse la réalité. Union, c'est Mobius. Leurs esprits y sont connectés. Contrôler Union, c'est les contrôler tous. Les contrôler tous, c'est contrôler le monde. Si vous pensez que je vais aider un connard dans votre genre à contrôler des connards dans leur genre, vous êtes encore plus perché que je le pensais. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Ok, on a un tas de cendres. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des clous. Ça me fait plaisir, j'adore les clous. Hop, ça dégage. Bon, très bien. Attendez. Lui, il est bien mort. Je ne sais pas, on verra. Ça sera l'effet de surprise. Ok, on va ouvrir tout ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, ça c'était les pires trucs du monde. Ok. On peut y aller, aucun souci jusqu'ici. Je prends mon plaisir dans cette petite église, malgré le fait que ce soit dégueulasse mon gameplay. Ok, on a quelque chose ici. Hop. Ah, on monte encore. Putain, cette église est éternelle. Cette église, c'est directement la montée vers l'enfer, comme on l'appelle. Ok, on va prendre les clous. J'ai un petit truc à lire, j'adore lire. Hop, ça c'est cool. On va lire. Écriture de Théodore 2. Quand je serai devenu le noyau et que j'aurai construit ce nouveau monde à mon image, la réalité suivra vite. Mobius s'est déjà implanté dans toutes les couches de la société, et ils ont été assez bêtes pour s'implanter des bombes à retardement dans la tête. Ils se prennent pour des loups et considèrent les autres comme des agneaux. Mais le berger, c'est moi, et je m'apprête à abattre le loup dès qu'il aura le dos tourné. Lorsqu'Union sera sous mon emprise, les jours de Mobius seront comptés. Mais alors, si Mobius sait tout ça, pourquoi ils ne déconnectent pas directement du stem? Ils ont juste à lui mettre une balle dans la tête, on n'en parle plus, c'est ça que je n'ai pas compris. Écoutez, je suis là et je ne comprends pas. Ok, on va ramasser tout ça. Alors, peut-être qu'ils savent pas que Théodore est parti en couille. Mais normalement, ils ont un contrôle sur le stem, enfin un minimum.
Donc tu mets une balle dans la tête et on n'en parle plus. Allez, c'est parti, on va dans le miroir. Pourquoi allez-vous me dire? Bah pour se crafter tout simplement des munitions. Ou alors, permet de tirer plus vite encore. Sachant que je vise déjà, c'est une catastrophe. Non, j'ai vraiment juste envie d'améliorer... de me faire un petit plaisir et d'améliorer les dégâts. J'ai envie de mettre les dégâts d'une arme à fond. Voilà, écoutez. Chacun son plaisir, ça c'est mon kiff. Ça c'est mon putain de kiff. Bougez pas, je suis totalement perdu. 800 et... Ah! Allez, vas-y, on met les critiques du pistolet. On va l'utiliser pas mal de fois, le pistolet. On est parti, on continue! Eh, une petite save, les gars, quand même. Ça coûte rien. Ça nous fait perdre 5 secondes. Mais on gagne sûrement des heures et des heures. De plaisir, allez. Voilà, une bonne chose de faite. Je doute que Théodore soit la fin. Je doute que Théodore soit réellement le boss final. Ça sera Mira, j'en suis quasi sûr. Satané Mira. Elle contrôle bien plus de choses qu'on pourrait le croire. Ouais, attendez, c'était par où? C'était par ici, non? C'était par ici. Ouais, c'était totalement par ici. J'ai bien fouillé derrière. Oh. Quoi? Ah! Pas de retour en arrière possible. Ok. What? Ok, il y a quelque chose qui m'a entendu. Quoi, je ne sais pas, il y a lui là-haut, très bien. Voilà, calme-toi, Terminator. Je t'arrache, hein, moi je te découpe, hein, gros. Hein. Que ça soit clair entre toi et moi. Ah, ça c'est chiant. On s'autorise une chance, warp. Et voilà, la chance. Ah! Waouh! Il m'a mis ce que je méritais. Putain, c'est chiant. Le harpon, il est nul à chier. T'as l'impression d'être dessus, mais tu l'es pas. Désolé, les gars. Continue. Non. Ah, bah oui, forcément. Mais oui, c'est clair. Quoi? Ça ne s'est jamais déclenché. Ok, c'est bon, j'ai stressé. Heureusement, j'ai fait mes petits carreaux explosifs. Fait à la main, les gars, évidemment, avec une recette de grand-mère. Là, il y a un truc qu'on peut tourner par ici. Hein. Ok. On va aller dans cette porte. Il y a forcément quelque chose d'incroyable. D'accord, une hache, j'adore. Ok. Waouh! Quoi? Oh non! T'es fou, quoi, toi? Ok, une pochette, c'est incroyable! Pochette à munitions pour pistolet! On l'aura jamais rempli, cette putain de pochette. Ok, j'ai toutes les pochettes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh non, pas ça! Ah, ça me fait chier si on doit l'affronter, le bordel, hein! Ça me fait vraiment chier, hein! Quoi que j'ai un lance-flamme. Je pourrais m'amuser avec. Oui, bah oui. Les gars, concernant l'excès, hein? Peut-on en parler? Ok. Non, et arrête de faire genre tu m'as vu, gros, abuse pas. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable! Voilà! Je préfère! Oh! Oh là 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 là, j'ai envie de filer. Je vous le dis, hein, j'ai pas peur, hein. Ah bah, je mâche pas mes mots là. Attends, parce qu'il y a Jason là, sur la gauche, oh, totalement bourré. Allez, retourne-toi. Carreau harponneur, mon cul, ouais, je vais t'harponner le trou de balle, moi. T'harponner le trou de balle au couteau, ça va être rapide, hein, c'est moi qui te le dis. Pas le temps pour toutes ces conneries, hein. Bon, il y a un monsieur lance-flamme sur la droite. Il va être très très chiant, je pense. On va ramasser ça. Ça, qu'est-ce que ça sert? J'en sais rien, c'est pas français, ça ne veut rien dire qu'est-ce que ça sert. Voilà, hop, on va réouvrir, parce que j'en ai marre. On peut plus. Jure, on peut plus. Je suis un connard! Merde! Ok. Mais j'ai pas envie de casser.
Pas envie de gâcher le mal, moi. Chier. Lui, il me voit, il fait tout, lui. Ça va aussi. Il est où, il est où, il est où, il est où? Je vais en découdre! Je vais en finir! Attends, il est passé derrière ou quoi? Attendez, mais il se fout de ma gueule! Il a disparu? On est dans une salle, gros, elle fait 10 mètres carrés. Ah. Ah bah oui. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Il n'avait pas disparu, il avait donc bien fait le tour. On peut donc faire... Oh, il donne pas de gel. Mais par où t'es passé, gros? Par ici, genre réellement? T'es réellement passé par là? C'est chiant, toutes ces balles de gâchées. Pour si peu. Ok. On va ouvrir ça. Bon! Ça m'intrigue quand même ce qu'il pouvait y avoir à côté du gars au lance-flamme, hein. Je sais pas vous, mais j'ai pas envie de le taquiner non plus, tu vois. Parce que ça voudrait dire que je devrais le tuer, c'est chiant. Sachant que c'est par ici la suite de nos aventures incroyables. Donc on va pas le taquiner, mais j'ai sûrement loupé quelque chose d'incroyable, c'est sûr. Ok, on a un ascenseur. On a rien d'autre. Sauvegarde, c'est qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. On va ouvrir ça. Forcément. Dans un jeu vidéo, une porte qui s'ouvre, c'est avant tout une porte qui se ferme. Pardon. Pardon. Ah ouais. Waouh! Non, c'est chiant. C'est chiant. Waouh. Bon. Soyons clairs. Zen, soyons zen. Mais merde. Fusil à pompe de mort. Ça va, les gars, waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quoi? Waouh, mais t'es pas mort. Là, t'es mort. Ça va, les gars. Oh, on se calme, les mecs. Ah, oh, j'ai du gel en voiture. Voilà, c'est terrible. C'est une sale histoire. Et celle-là, je sais pas si on la racontera à nos gosses, mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est la merde. Mais la belle merde, hein. Ok, on a un truc, c'est pas mal. Ça me plaît, ça. On va peut-être dû faire le tour plus tôt. Mais je vous avoue que j'étais pas prêt à voir ces trois chiens-là. Je sais pas exactement ce que c'est. Donc à quatre pattes. C'est bon, on est bon? Ok, on est bon. Allez, Théodore, me voici. Oh. Je vous offre une dernière chance de rejoindre le camp des vainqueurs de l'histoire. Sinon, vous resterez empêtrés dans vos propres tourments. Je ne ferai jamais affaire avec vous, l'ami. Ah. Ok. On a un point de résonance. Il est plus haut. Très bien. Encore un miroir. Un miroir pour sauvegarder et faire tout ce qu'on a à faire. Allez, on va save, les gars. Oh là là, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Plus de machine à café, ça me manque déjà. Tout ce café, les gars. Amélioration d'armes. Non, c'était fabrication. Voilà. Il était temps de se refaire une trousse, les mecs. Une trousse de soins. Bon. J'ai pas grand chose. Je vous avoue que j'ai pas grand chose. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'incroyable et d'intéressant? On peut faire ça. Une balle de pompe. Je sais pas si c'était ouf cette idée que j'ai eue de... Comment vous dire? De prendre le fusil à pompe à canoncier. Je sais pas si c'était dingue. Parce qu'il utilise deux cartouches par deux cartouches. Aucun autre contrôle possible. Ça fait que j'ai quasi plus de cartouches. C'est un petit peu terrible. Hop, on va reload ça. 44 balles, on est parfait. On save, les gars, et on va... Eh ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que je sais pas ce qui m'attend, et ça peut être très très long.
Je vous fais des bisous, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très rapidement pour la suite de nos incroyables aventures. A très bientôt tout le monde.